Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Diablo 4, la première saison du 17e épisode. Notre druide est niveau 75. Dans l'épisode précédent, on avait quand même bien galéré en donjon cauchemar. Tiens, il y a un event. On va essayer d'arriver avant que ça soit fini. Ça a à peine commencé. J'ai besoin de plus d'esprit. Ouais, ça rigère. Je ne suis pas encore prêt. J'ai du gros DPS. J'ai même pas le temps d'arriver au boss. Je ne suis pas encore prêt. Ouais, bon, bah... Pas trop quoi je cherche là. Encore prêt.
Ouais, un 98 aussi. Ça doit y faire. J'ai besoin de plus d'esprit. Je vous remercie. Salutations à vous. Merci. Alors, on a un anneau, ce qui sera bien. Parce qu'on va pouvoir enfin équiper quelque chose. Ça m'a l'air pas mal. C'est une connerie ce que je fais, mais bon. Que la lumière vous protège. Ok. J'espère que c'est pas une connerie avec les dégâts physiques. J'espère que c'est pas une connerie. On va voir.
C'est un bleu, hein. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est un bleu. On va tester ça. On va voir ce que ça donne. Vous avez autre chose? Faites attention en chemin. Bon, on va partir sur un donjon cauchemar. Glacial, j'aime pas. Génération démon, c'est pas terrible. On va faire le ménage maintenant. C'est quoi ces potions? Pas mal. C'est la loose. Le jeu nous octroie un bonus de dégâts de foudre, mais derrière les monstres sont résistants aux dégâts de foudre. La logique du truc. Ah, un signe de bonne fortune, clairement. Niveau 24. Je vais pas le tenter. Voilà une perle rare. Le jeu, il va être chiant là. Ouais, quand le générateur aléatoire ne veut pas, c'est une horreur. Ah voilà, ça bug sur du 23, 24, 25. 4. Le moteur aléatoire, il fonctionne mal. 22.
Je n'ai pas assez d'esprit. C'est un peu tôt. Je dois attendre. Ah là là. Un moment. J'ai besoin de plus d'esprit. Je n'ai plus. Une meilleure armure, une meilleure arme. J'ai tout à faire. Non, pas là. On va refaire le plein de potions. Très bien. Vous avez autre chose ? Ah, tout le monde fait des erreurs. Revenez s'il vous faut quelque chose. Ensuite. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Attends.
Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je dois J'ai besoin de plus d'esprit. Monster kill. Ça passe un peu mieux quand même. Par contre, on aurait eu affaire à des adversaires qui attaquent à distance. Ça aurait été bien plus compliqué. Le boss ou d'autres salles avant. Allez, je vous en prie. Ouais, d'autres salles. Allez. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Bon, déjà là, comme ça, c'est plus agréable. Ça va durer, on verra.
Après, l'idée, c'est de débloquer ça, le glyphe, puis ça. Des jours sombres nous attendent. Un échange équitable. Bon, ce qui change pas, c'est que l'ancestral est toujours si rare. Vous pouvez prendre ce qu'il reste. Je ne suis pas encore prêt. On est clean parce qu'on avance bien, on prend pas trop de risques. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je sais pas si on peut se permettre de pousser jusqu'au 23, peut-être. Un échange équitable. Est-ce qu'il y a un événement ? Non. Alors. Salut Keftez ! Ah ! Je suppose que vous y avez été en avion ? Il est quelle heure en Grèce ? Vous êtes sur le même fuseau horaire ? Je pense pas. Je dirais qu'il y aurait au moins une heure de décalage. C'est-à-dire qu'ici, il est 20h44. Je dirais qu'il doit être 19h44 ou 18h44 là-bas. 19h44 ? Ah oui, une heure en plus. Oui, une heure en plus, j'ai dit une bêtise. Oui, effectivement. 21h44. Donc, ce qui signifie que quand tu vas en Grèce, depuis la France, tu vieillis d'une heure. Et quand tu vas revenir en France, tu rajeuniras d'une heure. You serious? Vous avez fait bon voyage avec la famille ?
Donc t'es en vacances déjà, bonnes vacances à toi. Ah, super. La mer en Grèce, elle est toujours aussi magnifique et encore plus magnifique que ce qu'on voyait dans Assassin's Creed Odyssey. Au niveau des feux là-bas, ça s'est calmé. Mais est-ce qu'il fait un petit peu moins chaud? Là sur la partie nord-ouest de la France, là c'est un peu la tempête hein, qui va arriver dans la nuit et au cours de demain. Le littoral grec, il est protégé contre le bétonnage, la pollution, ce qui nuit à la nature, à la biodiversité. Je ne suis pas encore. Ah là là. Ok, bah passez une excellente soirée. Et puis profitez demain. Ah mais dans 15 jours on sera niveau 100. Ou peut-être pas. Profitez bien surtout, c'est l'essentiel, profitez bien. Ah, petite chose qui pourra t'intéresser, sur le Discord, il y a un lien vers un site qui est très utile, il s'appelle Diablo4.life et notamment t'as les alertes pour les world boss et des événements. Ouais. Si à un moment tu joues, tu sais que tu vas commencer un bon jeu et que tu risques de rater un événement, bon bah, un world boss, ça peut être utile. Passez une excellente soirée, Captain. Et merci d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi, Pied. Donc tu profites d'un whisky sans alcool, bien sûr, hein. Maintenant, je sais pourquoi il faut que je répète plusieurs fois la même chose à Captez. C'est parce que quand je lui explique quelque chose, en même temps, il boit un whisky. Tout s'explique. Tout s'explique. You serious? What?
pas encore prêt. Faites demi-tour. Je dois attendre. Je dois attendre. Je dois attendre. Ça me dit rien, cet adversaire. J'ai déjà dû le rencontrer, mais il m'évoque vraiment rien. Et puis, il lâche rien. Non, c'est typique à ce donjon. Ok, d'accord, très bien. J'ai pas de perso. J'avais pas remarqué jusqu'à présent. Je ne suis pas encore prêt. Je crois pas que ça soit un casque parce qu'on a looté en unique. Je ne suis pas un. Mais c'est quoi ce truc? Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Ah.
côte de rasoir. On s'en fout de la côte de rasoir. Je leur sers de nourriture. Je vous en prie. Reprenez leur bonne âme. Faites que cela cesse. Je dois attendre. Véritable feu d'artifice. Je ne suis pas encore prêt. Je ne peux rien porter de plus. Un échange équitable. De quoi avez-vous besoin ? Bien. Qu'avez-vous d'autre ? Ah, voilà la cible. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Le jeu, il a vraiment du mal à nous donner de la qualité maximale. Je sais pas qui c'est.
échange équitable. Ça se démantèle. Revenez s'il vous faut quelque chose. Ça se passe bien en donjon cauchemar, donc on va continuer. Ah, j'avais plus de potions, tiens. Quand même prendre le bonus du sanctuaire en espérant que c'est un bonus de combat, pas de confort. Et ben voilà, c'est un bonus de confort. Et en plus, il est piégé. Je ne suis pas encore prêt. Je suis pas
Ah zut. Eh zut, c'est ce que je craignais. C'est pas grave. Ça reste qu'un bonus de confort. C'est pas grave. Si on n'a pas une utilisation hyper optimisée. Je ne suis pas encore prêt. Je pense qu'on va pas être bloqué là. C'est le jour et la nuit avec hier, hein, pour le moment. Potentiellement, on a un anneau intéressant. On va voir. Alors. Des jours sombres, un échange équitable. Faites attention en chemin. Besoin de forger quelque chose ? Attends.
ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre. Je dois attendre. Je dois attendre. Je ne suis pas encore. Ah ouais, la type. Je dois attendre. Je ne suis pas encore prêt. Casque ancestral. Il y a peut-être quelque chose de bien. Ça fera du bien parce que il y a quand même un
un équipement qui est largement dépassé niveau de difficulté. Belle affaire. Voilà, l'intérêt du casque. Oh, c'est pas possible. Ça devient désespérant. Bon, ça avance bien quand même, mais l'équipement est difficile à obtenir. Ça se démantèle assez bien. C'est quand même un peu ambitieux. Voilà, on tente, on verra bien. Est-ce que le jeu automatiquement nous met la quantité de potions maximum quand on entre ? Comme que si. On a 5 potions sur 9. De puissants objets uniques, mais c'est du foutage de gueule, mais donne-les tes objets uniques. Donne-nous le casque. Eh non, non. Correct. Je ne suis pas encore. On va voir. Je dois attendre. Ça serait vicieux quand même de tomber sur le boucher. Attends.
que je craignais, hein. Je prends énormément de dégâts. Pour le moment ça va, on s'en sort bien. Je suis pas sûr que ça dure. Je ne suis pas encore prêt. C'est pas le but de tuer tous les monstres. Tuer le gardien, ok. Je ne suis pas encore prêt. Zut, vampirisme. Oh, c'est une cata ce truc. Je dois attendre un moment. Ok, on a la clé. Allez. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu inspirés de certains environnements de Dark Souls 3 quand c'est dans le jeu. Il y a certains environnements de Dark Souls 3 qui ressemblent à ça. Je dois attendre. Alors bien sûr, sous un point de vue. Hein. C'était risqué. Ah. Je ne suis pas encore prêt. Je pense avoir un bouclier. Ouais, le bouclier, il a pas tenu quoi. Je dois attendre. Ouais, non, mais là, c'est tendu. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Oh là là, ça va faire le... Je vais me retrouver dans la même situation. Ah bon. Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre.
Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas de potion sur moi. Quand les mots ne suffisent plus, faites parler l'acier. Montrez-moi tout ça. Il y a de bons morceaux. Notre personnage est niveau 75. On tape des adversaires de niveau 79. Et on obtient des cœurs courants de courant de niveau 50. Enfin, en tout cas, 65. Je ne comprends pas. Je dois attendre. Un petit peu. Je ne suis pas encore prêt. Voilà. Et quand c'est comme ça, on a tendance à tomber sur des adversaires qui ont des affixes qui ont, enfin, qui ont les propriétés qui ont plus de problèmes. On va essayer de faire un peu attention, ça me paraît faisable quand même. Je dois attendre. Je dois attendre. Je dois attendre. Thank you.
pas encore prêt. Je dois attendre. Je dois attendre. Je n'ai pas de notion sur moi. Ben, si elle tombait. On a eu de la chance avec le bouclier. En fait, c'est un donjon qui est plus dur et pour lequel on a moins de... Bon, on a moins de loot, c'est... Je ne suis pas en train de faire. J'ai l'impression que le jeu, en fait, récompense pas la prise de risque. Je ne suis pas encore prêt. Et en plus, il est galère. Mais... Je ne suis pas encore prêt. Il va être vraiment galère. Je dois attendre. Il va être vraiment, vraiment galère. J'ai plus de potions non plus. Ah, c'est pas intéressant de faire des donjons comme ça. Bon, on a le goût du challenge, je mais peux pas faire ça en ville. C'est pas fun. Et y a pas de récompense à la clé. Ah, il se remet dans sa cellule, c'est pénible. D'accord. Il envoie des projectiles comme si c'était un mortier. Je dois attendre. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Encore prêt.
en reste encore. Je ne suis pas encore prêt. Allez, le boss, on va peut-être y arriver, hein, ce donjon difficulté 25. Ça va être faisable. Mais... Ah, on a peut-être quelque chose de bien. Mais ça déborde. J'espère. Les mots ne suffisent plus. Ça fera parfaitement l'affaire. Une très courte pause et je reviens. À tout de suite.
Voilà, je suis de retour. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de bien? Bon, déjà, on va détruire. Je ne forge pas que des fers à cheval. Se tromper, hein, juste là-dedans. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ok. Faites-en bon usage. Je suis pas sûr. Pas terrible, hein. On va les mettre de côté. Je pense qu'ils me serviront pas. Oh là là, quel des. Je m'attendais à ce que le jeu nous restaure toutes nos potions de soins quand on entre dans un donjon, mais c'est pas le cas. Des réparations à faire. Je ne peux pas faire ça en ville. Quand les mots ne suffisent plus, faites parler l'acier. Avoir le cultiste parce que ça m'intéresse pas trop à ce que j'ai un problème. J'ai envie de partir sur du niveau 25, j'ai un personnage qui est vraiment pas prêt. Bon, ça déjà. On oublie. Les monstres obtiennent barrière. Non, ça c'est se faire des sacs à PV. Je fais pas dégâts de givre, donc on dégage. Pas dégâts de feu, on dégage. Résistance à vulnérable. Non mais les stats qu'il propose quand même, c'est infâme. Ah, 26, bon. Ah, là, je l'ai cru que c'était 21, j'avais failli le lancer. Non, mais là, c'est pas très raisonnable. Ah, mais c'est 10 à 4. Allez, on va faire ça. Bon, évidemment, j'ai pu avoir d'ingrédients, donc... Puis là, c'est niveau 21, ça devrait passer.
J'espère. Je ne suis pas en train de faire. Ah, purée. Ah, c'est pas vrai. Il lâche même pas un légendaire, quoi. Bon. Au moins, on a tenté, on a réussi. Sans problème. Faut tuer l'ensemble des adversaires. Allez, on a la clé, on peut continuer. On va ouvrir le portail. Ou un événement. Bon, on va le faire. Ils sont venus pour purger ce mal. Mais maintenant, je ne peux pas laisser mes amis ici. Il va y passer à côté en plus. Pas comme ça. Allez, lance-le ton événement. Arrête de parler. Lance-le. Allez. Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre.
ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Si j'utilise des mauvaises touches, forcément. Ça devient beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre. This is Sparta! Je ne peux rien porter de plus. Ok. On avance lentement, mais on avance. Excellent. Du beau cuir et du bon acier. Pratiquement neuf. Et efficace. Je dois attendre. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre. Je ne suis pas encore prêt.
Super. Allez. Je ne suis pas encore prêt. Un assemblage et on pourra ouvrir le passage. Je ne suis pas encore prêt. Mais plus très loin du prochain niveau quand même. Je dois attendre. Si le bon monde il a la chance d'obtenir des objets de qualité ancestrale, il n'est pas lié au. Il n'est pas conditionné au niveau du personnage. Décidément.
suis pas encore prêt. On a tous la même armure. Marché conclu. Ah non, 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 c'est un ancestral, j'ai dit des bêtises. Mais avec le halo, des fois, on peut les confondre. Ah mais je l'avais déjà je crois. Résistance à l'ombre. Ça va mettre de côté ça encore. Même le bonus, l'aspect, il est pas génial quoi. Malheureusement. On va récupérer ce qui reste parce que je crois qu'il y avait encore des objets au sol. Pas qu'un peu d'ailleurs. Vous souhaitez faire évaluer quelque chose ? Allez, on va essayer de voir si, si le jeu est généreux, il nous donne une meilleure arme. Si j'ai du mal à y croire. Hache à deux mains. Ah, les vents vous sont superbes. Bien joué. Ah, il y en a une ancestrale. C'est un bon prix. Eh bien, au revoir. Recyclage.
quoi être sympa. Rester comme ça. Ça va me coûter trop cher après. Vous achetez ou vous vendez ? Au revoir alors. Alors 4566. Ok. Et en l'améliorant, ça donne quoi ? C'est pas les barbares qui feraient ça. La meilleure des qualités. Ça combat dur, hein? Bah allez, occupez-vous de ces démons. 4566. On va tester ça. On va voir si on
dégâts sont plus intéressants. Ce que j'ai peur, c'est la perte de DPS sur la compétence principale. Ce que je crains. On va voir. J'espère que c'est un donjon avec des cibles au corps à corps. Gagner ses faveurs. Me déteste, mais ne comprend pas. Moyen de protéger mon foyer. Je pense que pour l'anneau, il faudra changer l'aspect. Là aussi, ça ne me sert à rien. On est loin d'être optimisé. Pas très loin.
Aller à sombre descente. Je ne suis pas un homme. Quelque chose d'intéressant par ici. Je ne suis pas encore prêt. Thank you.
on est pas loin du niveau, mais on l'a pas passé. Alors. Belle affaire. Garder, je pose autre chose sur l'anneau là, c'est pas terrible ce que j'ai. Je regarde quelque chose. C'est la première fois que je vois ça. Mon marteau chantera votre. Je vais l'extraire parce que ça a l'air d'être vraiment puissant. Ça a l'air de booster les loups comme pas possible. On va tester ce que ça donne. Salutations. Comment puis-je vous servir? Faites-en bon usage. On peut pas lui donner un autre aspect à notre arme. C'est moche. Ça, c'est plus stylé, mais bon. J'ai envie de changer. Voilà, ça fait. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Ouais.
On va prendre ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. On a bien progressé. On est presque niveau 76. Il y a pas d'événement. Non, de toute façon, on va arrêter là. Bon, on a obtenu un anneau. Plutôt pas mal. Voir les cuirasses. On a obtenu une hache aussi. Je suis pas tout à fait convaincu par la hache. Là, ce qu'il va falloir, c'est changer les armures. Faudrait peut-être que je revoie également les pointes de terre. J'utilise pas pointes de terre. Ah, c'est pas petit. Hein. C'est vraiment pas petit ce que j'ai. Ça peut être pas mal hein. Si ça se cumule avec ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Aura, je l'ai pas. Ça, c'est pas déconnant. Je suis pas sûr que ce soit vraiment efficace. J'ai perdu quelque chose. Effectivement. Eh oui, j'avais ça sur la hache. Comme quoi, ouais. J'étais un petit peu vite.
77. Ok. 44. J'ai dit quoi, 250. Pas mieux. Là, ça me donne quoi ça? Ouais. Faut modifier sur les gants, c'est offensif je crois également sur les gants. Ouais, autant prendre ça. Hein. On va poser ça sur l'arme et sur les gants on va mettre ça. Eh bien, on gagne. On est à 154%.
Là, on devrait, je pense, augmenter le DPS. Sur l'anneau, là, ça me sert à rien. Ah, il y avait un petit peu mieux. J'ai rien d'intéressant sur un anneau. C'est pas possible. J'ai que ça. C'est pas convaincu. Anneau, c'est offensif? Je sais pas. Il semble pas que ça soit offensif sur un anneau, je sais plus. Peut-être. Je vois pas mieux que ça. Je vois pas mieux que ça parce que là sur l'anneau là c'est. J'utilise pas une lycanthropie pour le moment. Que ça ne sert à rien là encore. Oui, c'est offensif. Ouais, ouais, c'est une capacité offensive sur les anneaux. Il semble que j'ai d'autres capacités offensives plus intéressantes que ça.
C'est peut-être pas déconnant ça. Il y a quelque chose qui me permettait d'avoir plus de... un troisième loup. Donc ça ferait une synergie avec ça. Une synergie avec ça. Je sais plus où c'est. Il y avait quelque chose qui me permettait d'avoir un loup supplémentaire. Bien ça c'est mieux, 12% au lieu de 8. Il semble qu'à un moment donné j'ai quelque chose qui me permet d'avoir un compagnon supplémentaire. J'aimerais le retrouver. J'ai pas dans les aspects. Hein. Non. Oh, je le retrouve plus. L'horreur. C'est à chaque fois qu'on cherche un truc, on le trouve pas. Et il me semblait hein, que j'avais quelque chose qui permettait d'avoir. Tu vois, je sais pas. Il me semblait que c'était sur une arme. Il y avait quelque chose qui me permettait d'avoir un compagnon supplémentaire. Et là, ça pourrait être intéressant parce qu'il y aura une synergie avec deux capacités. Peut-être détruit. C'est possible. Voilà. C'est ça. Parce que là, attendez. Ça, on met de côté.
Là, je peux avoir 12% de dégâts supplémentaires de la compétence principale. Chaque compagnon actif. Je vais passer de 2 à 3. Donc ça me ferait 36% de dégâts. Là, on a vos compagnons loups sont maintenant des compagnons lycanthropes. Ils infligent 100% de dégâts supplémentaires. Ils peuvent répandre le virus rabic. Parce que c'est le virus rabic. Et donc là, ça ne me sert pas pour le moment. Donc là, si j'ai un compagnon en plus et qu'il inflige. Et qu'en plus les compagnons. Ah ouais, non, ça va être. Je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être vraiment intéressant et ça va rendre les compagnons un peu efficaces. Du coup, avec ça. Ouais, ouais. On va tester. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on aura un gros bonus sur la compétence principale. Alors, Arnax à 8%. Ouais, donc c'est pas intéressant. Ouais. Ah ouais, parce que c'est à deux mains, donc ça divise par deux. Ah. Voilà les éléments que j'ai pu récupérer. Donc là maintenant, j'aurai trois compagnons qui vont faire plus de dégâts. On verra ce que ça donne. On verra. Et de toute façon, ça va être augmenté x3. Donc j'aurai 24% de dégâts sur la compétence principale. On verra bien. Et de toute façon, j'avais des aspects qui ne servaient à rien. Donc ça peut être que bénéfique. Et là, on va vraiment s'arrêter parce que.